Alors là, je gonfle les ballons, je vais gonfler tous les violets, tous les blancs. J'ai deux paquets de blancs parce que je crois qu'il y en avait moins, il y en a 10 dans ceux-là et je crois que celui-là, il y en a plus, je sais plus. Après, je sais pas si je vais pouvoir tout accrocher, sachant que je vais faire comme une arche où je vais voir. J'ai pas acheté beaucoup de déco, je vous avoue, cette année, ça va être vraiment simple, mais c'est histoire de fêter ça et puis de toute façon, on sera pas beaucoup, donc voilà. Donc je finis de gonfler ça et je vous montre le résultat après. Alors, j'ai accroché des ballons. J'ai mis le ballon numéro 2, par contre il est petit mais c'est pas très grave. Et en fait j'avais récupéré ça chez ma mère, j'ai mis des petits paquets de bonbons que j'ai fait moi-même hier. J'ai accroché des petits papillons comme ça et j'en ai mis un peu là. Au niveau nappe j'avais que ça, donc c'est pas grave, je vais le laisser quand même. Par contre je suis embêtée, je vais pas acheter trop de déco, je suis dégoûtée, j'aurais dû m'y prendre à l'avance. Mais tant pis, je me rattraperai l'année prochaine et puis c'est pas grave. Donc voilà, c'est simple. Je mettrai Chloé tout à l'heure assise ici pour faire des photos. Avec moi. Avec toi si tu veux. Et voilà. J'ai sorti le gâteau pour vous le montrer. Donc bon, il n'est pas canon, mais voilà. Je l'ai fait moi-même. Après, j'avais pas tout le matériel pour faire vous savez, les jolis gâteaux hauts. Et je me suis dit, vu qu'on n'est pas beaucoup, de toute façon, ça servait à rien. Et donc, dedans, c'est du chocolat Kinder Maxi avec un peu de chocolat blanc et du croustillant. J'avais acheté les papillons à AliExpress. J'en ai mis là aussi. Et voilà. Bon, je vous reprends. Je me suis maquillée un petit peu pour l'anniversaire du coup de ma pépette. Donc tout est fait. Il faut juste que là je la prépare parce que je l'avais habillée vite fait après le bain tout à l'heure pour pas qu'elle se salisse. Pour pas qu'elle salisse sa tenue d'anniversaire. Donc ça sera vraiment une petite tenue toute simple. En fait, j'ai des collants blancs comme ça que j'avais acheté à Action. Donc je vais mettre ça avec un petit haut blanc et elle aura cette petite. Petite robe rose là comme ça, je vais lui faire une petite coiffure et voilà. Je voulais l'habiller simple parce que acheter une robe tous les ans pour un anniversaire à chaque fois, bon c'est sûr c'est faisable, j'aurais pu le faire franchement, mais je vous avoue que cette année j'ai pas eu le temps et je pensais pas, enfin je pensais pas trop à l'anniversaire en fait, je sais pas pourquoi. D'habitude l'année dernière j'y ai très bien pensé, mais là cette année je me suis pris vraiment à la dernière minute. Après, peut-être qu'elle a vu qu'elle a été malade, moi aussi et tout ça. Voilà, j'avais la tête ailleurs, j'avais hâte d'aller mieux et voilà. Mais enfin, c'est vraiment le minimum. Il y a les ballons, je vais faire un gâteau, elle sera habillée toute mimi et voilà. Ça sera pas un truc de fou, mais c'est toujours mieux que rien. Là, je suis dans la chambre donc elles sont en train de jouer avec du bruit. Donc, je prépare Chloé et puis je vais vous montrer après du coup comment je l'ai préparée. Tu veux avoir quel âge? 2 ans. Tu montres avant? 2 ans. Tu vas danser, Gala? T'es fatiguée? Joyeux anniversaire, Chloé. Joyeux anniversaire. Regarde, tu souffles là. 1, 2, 3. Non, mais elle est souffle. Elle est pas soufflée. Non, mais elle est soufflée. Là, il est pas loin de 22 h, je crois. Je vais vous montrer un petit peu les cadeaux qu'elle a eu aujourd'hui parce qu'en fait, on refait aussi demain l'anniversaire à Chloé parce qu'à la base, c'est demain. Mais moi, je fais souvent ça en fait le samedi et le dimanche, que ce soit pour Yuna ou pour Chloé, parce que sinon, ça ferait trop de monde à la maison et ma maison, elle est petite donc je peux pas me permettre de mettre un nom. Donc, je vais vous montrer déjà ce qu'elle a eu aujourd'hui. Il y a des choses que je vous montrerai demain qui sont là-bas, j'ai la peine d'aller chercher. Donc elle a eu un petit collier comme ça par sa marraine.
Elle a eu des petits jeux comme ça, des petites barrettes comme ça aussi. Elle a eu des petites élastiques comme ça. Elle a eu celle-ci. Elle a eu un petit miroir comme ça. Celle-ci, je crois que je vous ai montré, je ne sais plus. Elle a eu des blanches. Encore des petits trucs comme ça. Elle a eu aussi cette petite robe là par mon frère et ma belle-sœur en fait. Une petite robe toute grise comme ça, toute mignonne. J'aime bien parce qu'en fait elle est assez épaisse, donc c'est parfait pour cette saison. Par contre elle me paraît grande, mais bon, on verra. Par ma cousine donc qui sort avec le frère de mon chéri, elle a eu une petite chemise comme ça, j'aime trop. En fait, je l'avais déjà eu celle-ci en 9 mois, je me rappelle. Donc, du coup, ma cousine, elle lui a offert en 24 mois. Elle a eu ce petit pantalon là aussi. Il est trop mignon, j'aime bien. En 24 mois aussi. Il est trop mignon. Et elle a eu cette petite veste aussi. J'en ai deux comme ça déjà, mais pas en 24 mois, je crois. Et elle est trop mimi aussi. Donc voilà. Elle a eu ça, elle a eu un petit jouet que je vous montrerai demain. Et elle a eu une draisienne par nous. Une draisienne par nous et elle a eu un petit volant. Mais je vous montrerai ça demain de toute façon. Je vais clôturer ce vlog. Je vous dis à demain soir pour vous du coup. Parce que je posterai le vlog demain soir, celui de demain. Donc voilà. Donc bah voilà. Bah à demain et à bientôt.